L'était environ 11h du matin. Jodia, qui c'est lundi 18 mars 2024, là, dans Pétionville, les bandits à exam mettaient cartouches sur plusieurs monde. Sans raison, cartouches maillées. En pile monde blessé. Moi, je vais venir avec image pour nous. Mais avant, on nous pose peut-être une petite question. Quand nous sortis pour nous arriver là, pour nous arriver dans la dimension, quand nous sortis pour nous arriver dans la dimension, côté Haïti, pour que jamais avant, petit pays a maltraité pays à un niveau comme ça. Rete branché, n'a bien avec plus précision. Je dis à tous, c'était funérailles et ancien ministre justice, m'a parlé de Paul Denis. Eh ben, m'a venir avec un extrait comment funérailles enterré, parce que c'est intéressant. Information ça yo ak lot encore pour le détailler sur channel pour la qui c'est devenu TV, abonnez, like et puis partager, quittez petit commentaire pour dire me sort penser comment travail là rivé sur vous. Bon, allons parti. On a regardé image premièrement comment moun yo t'a réagi dans Pétionville après bandi fin vidé cartouche et l'aime dou en pile moun bra cartouche. On a dirigé ça t'a privé la journée jeudi. Vous te mettez du water dans Pétionville en tant que le problème politique. Qui sont après qui passe? Non, parce que c'est dans la soirée. Je ne vais pas te poser dans la soirée. Parce que moi, je fais pour la journée. Mais on ne va pas avoir d'information? Non, je ne peux pas avoir d'information. Ça t'a privé. Ça privé. Je ne pas connaître pendant que je passe en tête femme en tant que leader politique. Je ne pas connaître, on laisse ma carte convoquer la presse pour me dire ça, je connais de ça. Mais ça qui intéresse aujourd'hui, c'est demander à tous les Haïtiens pour faire un faisceau pour étirer le pays dans sa lien, c'est pour trancher vers la Cour de cassation pour que nous baillons le pays à le président. Après ça, pour nous aller directement vers un premier ministre de consensus cap charrier toute revendication map masse peuple là pour que nous bon l'état cap dans le pays. Mais mon seul mot là non pas connaître du tout quand me j'en ouais moi ouais tout mais ça concerne en tant que un citoyen en tant que un monde qui fait politique actif dans le pays, ça fait que ça nous pour nous bon leçon je dis à l'on a choisi monde qui peut pour diriger nous. Nous sommes valablement représentés. Je dis à ces Américains, ces corps qui nous là, si vous voulez, depuis la mort de Jovenel Moïse, nous sommes allés dans la cassation, ça a fini déjà. Parce que nous avons gagné l'élection, tout le monde parlementaire, le pays a bien dirigé. Mais je dis à cause de l'élection de décembre, c'est le même tout pour prendre responsabilité, c'est le même tout pour prendre responsabilité. C'est à qui inquiétude vous considérez? Nous caractériser dans notre guerre civile. Parce que tout côté où passe, ouais, c'est mort, ça ne se passe nous jamais vu. Et si tu que dans cette semaine, ça, ou est-ce qu'il y a venu par un bail qui dit dans le pays, nous doit vers la guerre civile. D'accord? Parce que messieurs qui sont meilleurs, pas pour les gens pour faire avec eux, c'est chita parler avec eux, mandez ça dans la tête, parce que nous avons une nouvelle police qui fait. Pour qui ça? Parce que plus fort, les policiers allaient dans Biden. Et ça qui était le gouvernement Ariel n'a pas de fatra. Ariel qui était lâché la police au Kenya. La police Kenya n'a pas de problème. La police haïtienne qui est au travail. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'encadrement autorité pays. Si la police n'a pas d'encadrement autorité pays, je tiens à nous dans sa loyer. Parce que la police là, il a besoin des hommes politiques, il a besoin des gens qui pour battre direction, pour battre directive, pour avancer. Mais il y a un travail. Maintenant, la presse, pour que nous fassions ça passer, nous avons besoin de consensus de plus pour que ce pays s'arrête. Pas bon, nègre là, je dis à ta fois, c'est eux qui cherchent, c'est eux qui font le pays. Personne ne parle de pays, sauf que nous mettons tête ensemble. Pour nous mettre un côté de côté. Je demande le 20 décembre. Je finis de craser le pays. C'est pour payer une chance qu'on y a pour le pays capable de prendre un match encore. L'autre prend de Michel, tout l'autre n'est pas Michel et autres et consorts, c'est eux-mêmes qui mettent là.
tout temps yo pa jan de konsensus yo kon sou konsensus pou tan menti c'est dans peuple qui a passé peuple là parce que yo pa bien ça ça mande nous jeudi a c'est pour tous jeunes garçons tous jeunes femmes qui croient la paix de rechange pour yo lever campé pour yo dit ça ça le était là nous pas capable souffrir encore il est le temps pour jeunes garçons pour jeunes femmes capable évacuer librement l'activité. Merci la presse. Alors, oui, oui. Je cadavre de jeune là. On ne connaît pas qui ça peut-être le cas à la plage de Zeta. Non, moi ne connais pas parce que c'est ce qui fait dans la soirée. Parce que moi-même, je ne connais pas. Il pas moins de problèmes dans l'université. Pas que j'ai 9h du soir avant de dehors. Ça fait que c'est matin en tout. Moi, à travers les autres, que les canards qui sont dans Pétionville, mais ça, moi-même, je viens sous les lieux pour constater avec des yeux, même complot là. D'accord? Moi, je voulais porter une petite précision pour chaque grain compatriote. Tendez ça. Est-ce que nous connaissons aujourd'hui, non pas seul et unique pays, ça nous a passé à passer? Et ma fait nous connaît que. Il y a plusieurs pays qui passent par étape ça. Moi, j'ai un grand conseil pour m'banon, pour ne pas parler en pile sur ça. Si nous quittons le destin, nous continuer dans la communauté internationale, nous pas d'accord souffrir, nous pas d'accord crier, pour nous résoudre le problème nous-mêmes, nous là pour nous passer. Yon 30-40 l'année encore comme ça. Nous, aujourd'hui, c'est une opportunité claire, une opportunité en or pour nous débarrasser nous de la communauté internationale. Ça qu'arrivait que nous crier, ça qu'arrivait que décision a pris yo pas fait non bien. Ça qu'arrivait décision a pris yo, oui, yo mettait de l'eau dans genou. Et ça qui arrive même, pour nous construire, ça n'a pas construit, il prend temps. Mais dis-nous, bagay, on nous goûte pour nous résoudre le problème nous-mêmes. Parce que si nous quittons, attendez bien, si nous quittons ces communautés internationales là, qui bannent nos pays, ça veut dire qui bannent nos dirigeants, qui bannent nos gouvernements. Yabba nou yon gouvernement nan intérêt yo, mais pas nan intérêt pays d'Haïti. L'Occident gon seul objectif, créer instabilité nan tout pays qui gen richesse yo. Plus précisément yon pays tankou pays d'Haïti, histoire nou vle di an pile bagay. Kembe nou nan esclavage, sa nou ye la, kembe nou nan instabilité a se montré. Le monde entier, que pipiti a toujours en bas. Ignorer histoire nous, et puis focus sur couleur nous, faire nous goûter entre nous parce que dans mitan nous gen traite, et mener nous dans l'abattoir, côté où vous mener nous, pour y aller dague nous. Parce que y a fait nous, yon goûter avec l'autre, nous yon aptouye l'autre pour grimer si. En nous prenant conscience de l'état nous et puis bataille pour nous libérer pays ça. Moi pas connais comment. Mais seul ça moi-même m'a continuer goumen jusqu'au bout pour que gagne un gouvernement qui monte et dans un bref délai pour que gagne élection qui fait dans pays d'Haïti. C'est ça me souhaiter, c'est ça m'envie. N'a suivre avec un pile attention. Mais attendez, levons bon matin attendez bandi a vide des âmes au monde. Ou tande ou leve matin ou tande yo di yo joine 9 moun 10 moun 13 moun combien moun on côté fisier c'est une triste réalité et pour nous goumen kont li moi pas konnen yon pays qui passe par ça nou ye a c'est communauté internationale la qui vin résoudre problème qui ba yo stabilité kit lite Rwanda kit lite Mali, Burkina Faso, Niger, non, pas gen ça.
nous essayer comprendre. Essayer comprendre. Bon. Kounia en essaye toucher dossier Paul Denian, ancien ministre de justice qui fait voile pour payer sans chapeau. Funérailles c'était pour matin, bam kite nous gardons extrait. Comment ça t'y est et pas oublier nous continuer à abonner, liker et puis partager. En aller. Au nom de unité. Sénateur Paul Denis faisait partie de la 45e législature. Et à l'instant, on voudrait inviter le sénateur Yuvelt Schill, son collègue. Merci pour cette précision. Il faisait partie de préférence de la 46e législature. La 46e législature. Merci pour la précision. Le sénateur Yuvelt Schill, qui est aussi dirigeant de l'organisation du peuple en lutte, un bon ami du sénateur Paul Denis, à l'instant même, voudrait présenter quelques mots de témoignage. Sénateur Yuvelt Schill, qui est malheureusement en direct de l'étranger, intervient à l'instant même. Sénateur Schill. Parade des combats, famille éplorée. Mesdames et messieurs, les mots ne peuvent pas saluer les départs des marpous, des combattants. Ainsi, j'emploierai peu de mots pour dire adieu à Paul Denis. Ce grenadier qui a passé sa vie à lutter pour une Haïti meilleure. Au nom du coordonnateur national du Parti Unité et les coordinations du Parti Unité, en mon nom propre, je ne peux que pour cet adieu dire à Paul qu'il peut partir en paix. Sa journée a été bien remplie. Oui, il peut partir tête haute. Car le parti continuera la lutte. Son combat n'a pas été vain. Haïti renaît de ses cendres. Quant à vous, les membres du parti, à vous, parents et amis, le parti vous présente ses sympathies et vous exhorte à serrer les coudes pour sortir les pays du chaos. Restons unis, restons confiants. Merci. Conviction, il avait un parcours sur le plan privé, sur le plan personnel également. On dit merci au docteur Sauveur Pierre-Étienne qui nous a plongé dans ce grand parcours qui nous a permis de mieux comprendre l'homme, à savoir le sénateur Paul Denis. Comme vous le savez, son tout dernier parti était Unifos. Il était le principal fondateur de cette formation politique après avoir fait ses adieux à Unité. Je voudrais inviter Dieudonné Lubin, qui est donc le secrétaire général de cette formation politique, à venir ici prononcer ses mots de circonstance. Je rappelle que nous sommes tous ici présents pour rendre un hommage bien mérité à Paul Denis qui nous a quittés il y a une semaine. Avec vous, M. Lubin Dieudonné, au nom du parti qui a été créé par le sénateur Paul Denis. Messieurs les membres des différentes formations politiques, mesdames, messieurs les représentants du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, mesdames, messieurs, en vos rangs, titres et qualités, mesdames, messieurs, prendre la parole aujourd'hui à la cérémonie des funérailles du coordonnateur national de l'Unifos, Paul Denis, se fait avec une profonde consternation. Son départ vers l'au-delà de manière inattendue
a fait tant d'impact sur la nation et les membres de UNIFORCE en particulier. Son engagement dans la lutte contre la corruption, sa détermination, son intégrité ont fait de lui un exemple pour les générations actuelles et futures. Ses prises de position en faveur des plus faibles ont fait de lui un fervent défenseur des droits de l'homme et des valeurs démocratiques. Sur le plan politique, Paul Denis était un homme de caractère qui respectait les principes, son sens du devoir, sa gentillesse, sa compassion, son influence durera longtemps encore. En ce moment de funérailles, nous exprimons notre solidarité aux familles Denis, Prophète, UNIFORCE et à la grande famille politique haïtienne. Nous voulons aussi rassurer que la bataille contre la corruption, la dilapidation des fonds publics, le favoritisme va continuer selon les vœux de Paul Denis, notre coordonnateur national. Polo, merci parce qu'on est après nous, probité publique. Merci parce que vous pouvez apprendre nous l'amour pour Haïti chez nous. Merci parce que vous démontrez nous route pour nous capables de changer le pays. Pour traverser Polo, nous ne pouvons jamais nous. Jam. Merci beaucoup. Mais cette absurdité de la papadocratie ne les a pas empêchés de consommer leur mariage qui sera consolidé par la naissance de 4 enfants. Et Saline, décédée, Mani, Akao et Taina, fils et fille chérie qui ont donné 3 petits-enfants à Paul et à Jacqueline. Naya, Caïs et Mia. Dans sa jeunesse, Paul était victime de son charme. Il aimait les femmes et elles lui rendaient bien. De ses aventures extra-conjugales, naîtront Thomas, d'une Belge, et Valdi, d'une Haïtienne. Heureusement pour Jacqueline, il s'est assagi avec le temps. Aussi finira-t-il ses jours à Port-Salut, dans les bras de son épouse, à moins de 2 mois de son 82e anniversaire. À la suite de l'emprisonnement, de l'assassinat et de l'exil de plusieurs de ses dirigeants et cadres les plus actifs, le Parti populaire de libération nationale, le PPLN, est démantelé. Les militants et adhérents rescapés de la répression créée après août 1965, le Parti uni des démocrates haïtiens, PUDAS. Au mois de décembre 1968, le PUDAS se rapprocha du PEP. Il advient, au début de l'année 1969, la fusion des 2 partis marxistes sous l'appellation du Parti unifié des communistes haïtiens, PUCH. Comme membre du PEP, Paul ne rejoindra pas le PUCH. Il deviendra d'Haïti, Ifopada. À la chute de la dictature des Duvaliers, mais qui n'en a pas commise et qui n'en commet pas. Et Paul était capable de reconnaître ses erreurs. Qualité exceptionnellement rare chez nos compatriotes. Un jour, à Port-Salut, il me fit cette confidence. Sauveur, tu sais, à l'OPL, quand on se bat, on est à la tête d'une armée de militantes et de militants combatifs, déterminés. Tandis que dans d'autres structures politiques, on crie à l'assaut
Et quand on regarde en arrière, on se rend compte qu'on est seul. Qu'ils ont tous pris la fuite sans même daigner vous en aviser. Ce à quoi j'ai répondu. Quand je parle à mon camarade et ami Paul Denis, je m'adresse aux sénateurs et dirigeants de l'OPL. Et c'est ainsi que les militantes et militants de l'OPL te considèrent, de même que le grand public. En pensant à notre ultime conversation, je suis convaincu que le camarade Paul Denis était particulièrement affecté par la situation d'effondrement sociétal que connaît notre pays. Le camarade Paul Denis cultivait l'honneur, la dignité à un point tel qu'il ne pouvait supporter les propos fixatoires, voire endurier de gens irresponsables. Aussi, il jugait-il ses propres propos afin d'éviter d'offenser les gens de son entourage ainsi que les militants politiques qui le fréquentaient. Voilà l'ordre. Ces lignes, retraçant le parcours facile, de l'homme d'État incorruptible, de l'ami fidèle, se veulent un hommage sincère.